Et yo les gens, c'est Zimas de la chaîne Black and White Wakfu. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un Zim objectif, le Zim objectif numéro 5, celui du mois d'octobre, si je dis pas de bêtises. Et pour revenir vite fait au Zim objectif du mois de septembre, il me semble qu'il a été partiellement réussi puisque j'ai enfin ma team opérationnelle pour faire du Nogor. J'ai déjà commencé mes trials. J'ai commencé à faire mes trials pour Ogrest en solo la semaine dernière. J'ai pu faire un try en solo, j'ai fait 800 000 points de vie et j'ai préféré abandonner le combat plutôt que d'avoir un loot à 1 million sur mes persos. Mais bon, au final, j'aurais dû puisque la semaine s'est terminée. Et... Enfin voilà, vous avez compris. Donc voilà. Ah, mais non, attends, on est mardi? Du coup, c'était hier. Du coup, lundi. Non, du coup, non, c'est bon, j'ai bien fait. Genre, je dis de la merde. Donc j'ai commencé cette semaine à faire mes try Ogrest. Il me reste 2 et il me reste mes 3 try Nogor d'ailleurs. Mais bon. Peu importe, de toute façon mon abonnement va bientôt tomber il me semble. Bref, il reste 10 heures, voilà, il me reste 10 heures d'abonnement avec Hero sur le compte du Xel, sur le compte du Sacrieur, vu que j'ai gagné le PvP pour le First Dawn, j'ai gagné également un mois d'abonnement, donc pour le Sacri, c'est pas un problème. Voilà, j'ai juste le Xelor à abonner pour ce mois-ci. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, j'ai le PvP non pas sur le compte de mon Sacri, mais sur le compte de mon Xel. Non pas qu'il est échangeable, mais parce que j'ai transféré en fait un personnage. Ouais, j'ai transféré le FK, donc Zimas du volant qui était sur le compte de mon Sacrieur vers le compte de mon Xelor pour pouvoir récupérer les récompenses sur mon compte principal. Donc voilà, j'ai. C'est pas de la triche, hein, c'est autorisé. Voilà, j'ai un petit peu usé d'une combine, un petit peu d'un stratagème, n'est-ce pas? Tiens, on va aller d'ailleurs. J'en ai marre de faire mes immobjectifs objectifs dans mon HM. On va aller dans mon avre-sac. On va aller dans l'HM. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On va aller dans l'HM de Northern Light maintenant que j'en ai un. Il y a. Merde, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je mets? Et donc voilà, on se retrouve pour les objectifs, mes objectifs du mois d'octobre. Donc vous pouvez voir que mes persos ont quand même pris un petit peu de niveau pour les persos les plus bas niveau. Vous voyez qu'ils sont 86, donc maintenant il peut faire du Nogor. Donc ce qui va se passer, c'est que si à la mise à jour, déjà premier objectif, tomber Nogor. Là vraiment, c'est mon objectif du mois d'octobre, c'est tomber Nogor en solo, tout seul avec mes 6 persos. Voilà, sans aide extérieure, ça c'est vraiment la voilà, première chose. Deuxièmement, faire 2 millions sur Ogrest avec mes stuffs actuels. Voilà, je serais plutôt content si j'arrive à faire 2 millions avec mes stuffs actuels. Après, il va y avoir une petite modification dans ma compo. D'ailleurs, on peut voir la super statue en fait, qu'on a la miniature, et la super statue que certains guildes ont débloqué cette semaine. Voilà, avec le 6ème dawn, du coup, ils ont eu l'exploit. D'Ogrest, et ils ont pu avoir cette statue qui est, ma foi, ouais, sympathique, mais oh, elle est cool, mais elle est sympa, on va dire. C'est cool d'avoir une statue en 3x3, c'est cool. Donc, nous voilà dans le petit HM de Northern Light, n'est-ce pas? Hop. Et donc, oui, donc, par contre, il y a un objectif du mois de septembre que je n'ai pas réalisé, c'est les vidéos que je voulais vous poster. J'ai pas fait les vidéos Moon, j'avoue. Et je pense pas qu'elles arriveront tout de suite. Ou si elles arriveront, je pense que je vous les proposerai avec. Tiens, il y a des lianes. Tiens, on va regarder s'il n'y a pas du bois rare. C'est le gros rat. Non, franchement, très honnêtement, voilà, j'ai pas fait mon objectif du mois de septembre. Je m'en veux un petit peu parce que c'est vrai que j'avais promis à pas mal de gens de sortir ces vidéos. Et puis, bah, au final, tiens, on voit ce qu'elle est là. Voilà. Et puis au final, bah rien du tout. Voilà, j'ai pas fait ce que j'ai promis. Après, bon, je fais un peu ce que je veux, hein, si j'ai pas envie de vous la faire. Mais là, pour le coup, vu que j'ai transféré mon FK, j'ai transféré le FK, du coup, j'ai plus de FK sur le compte principal, ou du moins j'ai mon FK 200, du coup, je dois le moduler, etc. En plus, ça, là, je suis à fond sur l'XP de mon Sadida et de mon Kra. Le Kra, pour qu'il soit 200, avoir un passif en plus pour Nogor, ça, si je mets Carnage, je vais gagner 15% de dégâts, et clairement. J'ai un petit peu des problèmes puisque là le Xelor c'est le seul à faire des dommages et en plus de ça avec la mise à jour Horloge va se faire nerfer, Sablier va se faire nerfer, du coup le Xel va faire moins de dégâts avec le Sablier, du coup le Sablier va être moins utile, enfin voilà, il y a plein de petits trucs qui vont faire qu'en Ogre ça va être un petit peu moins bien Xelor je parle, donc je vais essayer d'en profiter de le donner le plus vite possible et pour ça voilà, passer le crâne 200 ça pourrait m'être utile également pour les stuffs qui sont au niveau 200, c'est quand même plus sympa. Déjà 197 avec l'HM, plus le bar d'Aguild, etc. Je pourrais équiper du stuff 200, donc ce sera déjà mieux. Donc voilà, et puis le Sadi, surtout que je veux up 200 pour pouvoir commencer à le stuff et faire des donjons THL avec, parce que Sadi là, c'est juste trop bien. Donc ce serait mon objectif du mois d'octobre. Après, je pense pas que. Franchement, me connaissant, je vais avoir la flemme de les up 200.
Je pense que je vais les up 195 et ça va me saouler. En tout cas, voilà. Finir le stuff de mon Xelor, ça par contre, c'est mon objectif principal du mois d'octobre, au-delà d'Ogrest, etc. C'est vraiment terminer le putain de stuff de mon Xelor. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà quelques items qu'il va falloir que je m'équipe. Donc, les Yougon. En soi, je peux déjà les équiper, hein. Hop, les Yougonettes qui n'ont pas d'éléments. Ouais, bon, en gros, vous mettez les Yougonettes et les épaulettes rubis et j'ai mon stuff final. Il me manquera juste l'aiguille de Xelor à dropper. Et ensuite, faudra tout que j'améliore. Voilà, faudra tout que j'améliore. Donc, les rubis, j'ai bientôt de quoi les améliorer. Voilà, il me manque les griffes. Les griffes que je suis en train de farmer. Bon, MDR, j'en ai qu'une là, mais j'en ai sur les autres persos. Les plaques que je dois faire, mais bon, grosso modo, voilà. Et surtout, boum! La putain de rune d'inflexibilité avec les 20% de dommages infligés si le porteur a 10 PA ou moins, puisque c'est mon objectif. Voilà, c'est un build de 10 PA que je compte faire sur mon Xelor. Pour ceux qui se demandent, oui, c'est fort. Voilà, pour ceux qui se demandaient, oui, c'est fort. J'ai Waza dans ma guild qui a un build 10 PA et il m'a dit, il n'y a pas photo. De toute façon, ça se voit. Hein. Comparer les stats d'un stuff 11 et d'un stuff 10, il n'y a pas photo. Clairement, il n'y a pas photo. Stats, résistance, PO, tout ce que vous voulez. Hein. Il y a tout qui est supérieur sur un stuff 10 PA. Alors pour 1 PA. Franchement, voilà quoi. Donc voilà, grosso modo, ce sont mes objectifs principaux du mois d'octobre. Donc je récapitule, essayer d'up mon Sadie et mon Kras 200, voilà, tomber nos gores. Il y a un petit dernier truc d'ailleurs que j'ai pas dit, maintenant je viens de m'en souvenir. Ogrest, 2 millions de points de vie sur Ogrest. Et pour finir sur du Wakfu, parce qu'il n'y a pas que, que je n'ai pas des objectifs que sur du Wakfu, il y a également mon panda. Voilà, donc mon panda qui est ici, que je vais en fait reroll. Voilà, je vais changer la classe de mon panda. Donc Zimbib, qui ne sera bientôt plus Zimbib, mais qui sera bientôt un SRAM. Voilà, donc je compte bien faire un SRAM. Alors j'ai franchement, très honnêtement, même en x3, j'ai la flemme de remonter un personnage. Franchement, je vous avoue que j'ai vraiment la flemme. Même si c'est vrai que ça prend pas trop de temps, j'ai pas mal de Kama Dofus. Je peux vraiment me permettre de payer avec mes Kama Dofus un changement de classe pour me dégager un peu de pression et de farm. Parce que c'est vrai que c'est chiant, c'est long, ça prend du temps. Et du coup, j'aurai mon deuxième panda. Parce que vu que j'ai deux pandas sur le compte, avant ça servait de panda. Maintenant, franchement, ça a peu d'utilité d'avoir deux pandas. Pour les rotations BU, tout ça avant c'était utile. Maintenant, franchement, c'est pas très utile. Donc voilà. Donc ce panda là, il va falloir que je le monte au moins 190. Enfin, ouais, au moins 190, comme, enfin 191, comme ça je pourrais lui équiper le stuff de ce panda-ci. Et il va falloir du coup que je fasse un stuff pour mon SRAM. Mais bon, ça viendra en temps et en heure. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, grosso modo. Et pour. Donc c'en est fini de mes objectifs de Wakfu, grosso modo, voilà. Donc je compte faire un SRAM dans ma team. Et pour mes objectifs sur Dofus, puisqu'évidemment, je vais jouer sur Dofus sur le serveur monocompte le 17. Donc mes objectifs. Mon objectif principal, c'est d'être, si possible, le premier level 200 du serveur. Le premier level 100, pardon. Level 200, je pense pas que j'aurai la foi de monter aussi haut, aussi vite. Prendre autant de temps pour monter 200. Mais voilà, mon objectif c'est d'être au moins dans le top 10, pour être raisonnable, au moins dans le top 10 des level 100. Très honnêtement, j'ai une team qui est ultra chaud. On est beaucoup, d'ailleurs, on est beaucoup. Si d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite pub, si vous voulez rush le serveur monocompte, que vous avez de l'expérience sur Dofus, voilà, que vous avez de l'expérience, que vous êtes motivé pour rejoindre un groupe de joueurs soudés, donc on est déjà une bonne cinquantaine, il me semble. À avoir rejoint la guilde et avoir pour objectif de créer une alliance, de créer voilà, quelque chose avec nous. Donc voilà, on est un groupe qui va rush, qui sait déjà où il va, etc. On a déjà fait des entraînements, tout ça, donc on est chaud, sachez-le. Bah, n'hésitez pas à envoyer un message sur Discord, le lien est dans la description de la vidéo, comme d'habitude, ou sinon je peux vous le dire également à l'oral, hein. Zimas hashtag 9665. Voilà, c'est mon Discord, donc ajoutez-moi et MP-moi pour. Bah, d'ailleurs, si vous avez n'importe quelle question, en fait, si vous avez n'importe quelle question sur Wakfu, même sur Dofus, enfin sur Dofus, bon voilà, mais sur Wakfu, je vous répondrai, même pour des builds, etc. Sachez que. Ce qui me fait marrer, c'est les gens qui sont toujours là. Désolé de te déranger et tout, mais en fait, je me tiens disponible constamment sur Discord. Si ça me faisait chier que les gens m'envoient des MP et que si ça me dérangeait, comme à chaque fois on me demande désolé de te déranger, je me mettrais en non disponible.
Et là, ouais, ça me ferait chier. Mais non, je reste tout le temps dispo sur Discord pour répondre à vos questions. Même si c'est pas dans l'instant T, c'est des fois je suis pas devant le PC ou quoi, je peux pas, ou devant mon téléphone, je peux pas forcément répondre dans l'instant. Mais grosso modo, j'essaye d'être actif et de répondre et de vous donner un maximum de conseils quand on me pose des questions. Et des builds aussi, voilà, des builds, j'envoie des dizaines par jour, j'en corrige des dizaines par jour. Et même des fois, ce sont déjà des builds qui sont quasi parfaits, donc y a rien à dire. Donc voilà, n'hésitez pas voilà, à me contacter sur Discord, y a pas de souci, moi je réponds à toutes les questions. En tout cas, voilà, grosso modo, ce sont les immobjectifs. C'est tout pour les immobjectifs numéro 5. C'était mes objectifs du mois d'octobre. Et je vais essayer de m'y tenir. Et je vous encourage encore une fois, comme tous les mois, comme je le répète, à vous mettre des objectifs pour le mois d'octobre. Voilà, ça permet d'avoir une bonne fiche de route, de savoir ce qu'on a envie de faire. Même si vous faites pas tout, c'est pas grave. Au moins, quand vous vous connectez, vous savez pas quoi faire. Vous ouvrez un bloc-notes ou je sais pas, vous regardez vos objectifs du mois et vous vous dites, putain, ça serait bien que je fasse ça, ce serait pas mal que je fasse ça. Moi au début franchement ça marchait pas si bien avec moi et puis franchement bon, petit à petit c'est en train de venir et c'est de plus en plus efficace. En tout cas sur ce c'était Zimas de la chaîne Black and White Wakfu, mais attends c'est la première fois que je fais une outro pareil, c'est quoi ce bordel? Sur ce c'était Zimas, à la prochaine, tchuss! Voilà, là c'est quand même beaucoup mieux quoi.